Hey tout le monde, c'est Estrepsis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée. Et cette fois sur un peu de nouveau petit jeu indé, d'horreur toujours, hein, voilà. On continue dans notre lancée. Donc avec un jeu qui s'appelle Briefcase, donc à ce qui paraît ferait un peu peur, je ne sais pas trop. Honnêtement je commence, hein, j'ai encore jamais joué. Ah, excusez-moi, je me cadre un petit peu et tout. Et donc on va tester ça ensemble tout simplement, sachant que je n'ai jamais, voilà, encore une fois, j'ai jamais joué. Je sais pas si le son est trop fort ou pas assez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça de suite. Alors, je m'excuse par avance pour les deux barres que vous allez avoir sur les deux côtés de la vidéo. Je sais pas pourquoi avec Fraps ça fait ça. Ça ne le faisait pas avant. Alors que moi, j'ai le jeu en plein écran et ça tourne à 30 fps, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, mais je sais pas. C'est quoi pour... Oui. Je connais déjà pas les boutons. Game menu. Non. E, F, R, non. Ça commence bien, je connais pas les boutons. Alors attendez. Entrée. Ah ouais, mais c'est chaud comme touche, ça. Entrée. Pourquoi il faut appuyer sur entrée? C'est de la merde. On peut pas configurer ça? Ah, je pense pas, hein. Chier. Bon, bah écoutez, hein. On va tenter ça. Je connais pas du tout, hein. D'accord, c'est même cette touche-là d'entrée, précisément. Donc je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Parce que je sais que j'ai eu des retours assez positifs sur ce jeu, donc écoutez, voilà. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer des jeux d'horreur que vous personnellement vous connaissez, ok. Et puis si ils sont pas très gourmands, je me ferai une joie de les essayer. Alors honnêtement, je vais sûrement sursauter comme un malade. Je sais pas du tout quel est le but de ce jeu. Il y avait un objectif au début, je crois que c'est récupérer le briefcase et puis partir, je crois, tout simplement. Je sens que c'est un entrepôt désaffecté ou une truquerie dans le genre. Donc écoutez, hein. Ah, j'entends un bruit. Alors comme d'habitude, hein, mettez le son du jeu à fond. La lumière éteignez là. Bon, moi elle est allumée parce que sinon vous me voyez pas, mais voilà quoi. Mettez-vous dans l'ambiance. Hop. Je pense que je vais avoir les boules assez rapidement. Quoi? Ok. Par où je peux aller? Par là. Ah, mais où là? Oui. C'est un peu fort. Allons-y. Alors, on est dehors à ce qui paraît. Je sais pas trop ce qu'on doit faire. Ah. C'est quoi ça? J'ai récupéré une clé apparemment. C'est tant mieux. On peut pas aller là-haut. Bon, bah on va devoir refaire le tour. Oh, j'aime pas ça. Devoir tout refaire tout le couloir là, je le sens mal là. Un petit screamer dans le coin. Quoi qu'on est qu'au début du jeu, ça devrait peut-être aller. Je ne sais pas. On va bien voir. J'ai un peu les boules. En toute honnêteté, je sais vraiment pas si c'est bien cadré cette merde. Honnêtement, encore une fois, vous me voyez de haut, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. Ce qu'il y a de plus pratique, mais bon, j'ai un trépied qui peut pas aller plus bas donc. Donc on est obligé d'être comme ça. J'ai pas encore trop cherché d'autres solutions. On verra avec le temps si ce genre de vidéo vous plaît, bien évidemment. Hop, donc là on est bon. On n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on n'est pas bon là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une clé. Ah, ça commence bien. Je viens de voir un mec passer là. Je sais pas trop. En plus, du coup, je sais où il faut aller, oui, parce que je me suis un peu planté là sur le coup, je savais pas où il fallait aller. Donc là, maintenant, je sais, on va y aller, mais j'ai les boules. Oh putain, ça y est, ça commence. Oh putain. Alors, qu'avons-nous là? Une carte de crédit, donc ça va nous servir pour la porte. J'ai peur, j'aime pas ce genre d'endroit. Ce genre d'entrepôt, on va dire. J'ai l'impression qu'on peut courir de façon illimitée. Wow, c'est quoi ce bruit là? J'ai les boules. Allez, on y croit. Donc, ouais, je me suis un peu paumé tout à l'heure. J'essayais d'ouvrir cette porte, ça marchait pas. Quoi?
Chaud bouillant, allez, on y croit. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une petite musique. Tranquille. Rien de spécial. Ça clignote, j'aime pas quand ça clignote. J'ai pas envie d'y aller. C'est un conduit d'aération, mais j'ai pas envie d'aller dedans. Il y a quoi ici? Ouh, je le sens mal. Ah! Non, c'est bon. J'ai une mallette. Je sais pas à quoi elle me sert. Ça m'énerve, ça. J'ai l'impression que ça s'arrête à chaque fois. Oh putain. Vas-y, arrêtez ça là. Allons-y. On y croit. Bouillant. Non, s'il vous plaît. Ne m'arrive pas à la gueule. Putain, c'est quoi ces bruits là? C'est stressant tout ça. Ah oui, non, c'est rentré. Oh là putain, en plus il fait pas. Faut pas juste un peu les boules le truc quoi. Pourquoi je raterai là? Wow, vas-y, arrêtez avec ces bruits là là. What? What? C'est ça, the briefcase? Oh non. Attends, je mets pause. Je crois que j'ai trouvé le briefcase, mais ça veut dire si c'est aussi court que ça, à mon avis, quand je vais aller là-bas, je vais me prendre un truc dans la gueule, mais comme c'est pas possible, comme c'est pas permis. Allez, chaud. Faut que je retourne à la voiture, là, j'ai bien compris. Oh putain, j'aime pas ça. Allez, on court, on court, on court. Je sais pas ce qu'il y a, mais. Oh, je sens mal. Je le sens mal. Je sens bien un truc arriver là. C'est obligé de toute façon. Putain de sauce. C'est quoi ça? What? What? Il s'est passé quoi là? Hein? Alors, moi, pas avoir compris. Ok, donc on se retrouve vite fait. J'ai coupé parce que bon, en fait, ça, quand on termine. Oula, ça lagouille là, qu'est-ce qui se passe? Wow, oui, d'accord. Parce qu'en fait, quand j'ai l'impression qu'on se fait avoir par un espèce de. Je sais pas trop quoi. Et quand ça fait ça, ben, on retourne au bureau, tout simplement. Donc ça quitte le jeu et donc ça quitte Fraps par la même occasion. Et ben, je peux pas aller par là. Ça rame vraiment, je sais pas ce qui se passe. Et donc on va s'arrêter là parce que je vais pas non plus tenter 20 000 fois. Je sais pas trop si on peut réussir jusqu'au bout ou si un. En fait, c'est quelque chose de très court quoi. Et je savais pas du tout ça, que c'était aussi court que ça. Donc voilà, bon, c'était une expérience plutôt bon. C'était pas forcément exceptionnel, mais ça va, ça se laisse jouer. Ça fait pas énormément peur, un petit peu. Bon. C'est vrai que je m'attendais peut-être à un peu plus conséquent. Donc voilà, sur ce, bon, je pense que je vais avoir fait pas mal de petites coupures dans la vidéo parce que il y a des moments où j'ai un peu traîné sur la longueur. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a plu, même si c'était pas forcément super. Comment dire? Super, super. Oh putain, oui, voilà, le mec qui est au fond. Nerveux et tout, mais en tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu. On va retenter un petit coup vite fait quand même. Maintenant que je sais ce qu'il faut faire, hein. On va se grouiller et puis on va essayer de tenter ça rapidement. J'ai l'impression que plus on est rapide, moins on a de chances de se faire bouffer rapidement. Ok, credit card. Excusez-moi, à chaque fois je tape comme un bourrin sur ma touche, mais en même temps, faut que j'aille vite. Parce que faut que je passe de la souris à la touche entrée, ce qui est pas très pratique honnêtement. Ouais, ok, allez, je me grouille. Donc là, il faut aller récupérer la briefcase, ensuite se barrer par les. Ah oui, bien ne pas oublier de se barrer par le truc d'aération. Ok, c'est parti. Allez, let's go, let's go, let's go. Honnêtement, je sais pas si je vais me faire bouffer tout de suite ou pas. Aïe 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 aïe, j'espère pas. En fait, on le voit pas, le gars, en plus, quand il arrive. Hein. Aïe aïe aïe, ça tremble. On y croit.
sais pas du tout dans quelles conditions en fait on se fait bouffer et dans quelle. Enfin, si c'est aléatoire ou pas. Là, j'entends le bruit. C'est un peu stressant, je dois dire. Mais c'est assez original comme concept, je trouve. Rien que le fait de devoir se barrer comme ça. Allez, on se taille. Je pense qu'il faut passer à gauche là. Je suis pas sûr, mais. J'espère qu'il va pas y avoir de jumpscares style à la fin si on réussit à se barrer. Allez, 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 on y croit. Je sais pas si. Là, je me suis fait barrer ici la dernière. Bouffer ici. Oh putain! Je me suis fait bouffer ici la dernière fois. J'ai réussi? C'est bon? Fini? Voilà. Donc, bon retour au menu, vous voyez pas forcément parce que frappe, bah, ça coupe du coup. J'essaierai de mettre une petite image de fond. Ok. Bon, bah, c'est très court, mais c'est plutôt intéressant comme truc. Voilà. Bon. Rien de bien spécial, mais voilà. Si vous avez des trucs un peu plus conséquents qui font vraiment, vraiment, qui foutent vraiment les boules, je suis preneur. Sachant que vous, y en a un de vous, un commentaire qui m'a parlé d'un jeu d'horreur. Je me souviens plus du nom. Je suis désolé. Surtout, n'hésitez pas à me le rappeler parce que c'est vrai que j'oublie peut-être. Donc, ça me permettrait de vous faire ça. Donc, et bien sûr, ça, je vous dis merci à tous pour avoir regardé. Et puis, à la prochaine. Allez, salut!